Dans le Grand Nord américain, aux confins du lac Michigan, EDF Renewable Energy a installé 11 containers à proximité d'une zone résidentielle. Ces grandes boîtes rectangulaires abritent des batteries lithium-ion qui peuvent stocker jusqu'à 20 MW d'électricité. Ici, le stockage n'est qu'un volet du dispositif. Cette solution de stockage XXL est en effet couplée avec un logiciel de conduite informatisé développé par Store and Forecast, une start-up 100% maison. Car l'objectif est aussi de réguler rapidement et finement la fréquence sur le réseau électrique local, ce qui garantit le bon fonctionnement des équipements électriques. 24 heures sur 24 et avec un temps de réactivité inférieur à la seconde, ce logiciel commande la charge ou la décharge des batteries en fonction des besoins du réseau. Quand la production d'électricité est supérieure à la consommation, les batteries se chargent. Et inversement, elles se déchargent en cas de pic de consommation ou pour pallier une chute brutale de la production éolienne ou photovoltaïque. Pour le gestionnaire de réseau, c'est la garantie d'une stabilité optimale du réseau et la possibilité d'intégrer plus aisément les énergies renouvelables soumises aux variations climatiques. Pour les millions d'habitants du nord-est de l'Illinois, c'est l'assurance de ne pas être impacté par effet de domino par une fluctuation de la fréquence sur le réseau électrique, et donc de bénéficier d'une électricité de qualité, c'est-à-dire sans surtension ni coupure. Nos solutions pour le climat.